Bonjour à toi, et aujourd'hui on va continuer la suite de ce que j'ai commencé la semaine dernière dans la précédente vidéo. Donc sous la vidéo ou quelque part autour de la vidéo, je mettrai un lien qui va référencer la précédente vidéo. Donc on va entamer la suite. Donc je m'appelle Christophe, je fais l'administration système depuis assez longtemps. Et je vais te montrer dans les prochaines vidéos, donc en partant de la précédente, comment construire une infrastructure système avec Debian sur un serveur Proxmox OVH. Donc le but de ce serveur, ça va être de gérer quelques machines virtuelles qui vont me servir de serveur d'outils enfin, pour l'infrastructure de serveur WordPress, de serveur Dolibar ou de serveur Django, etc. Donc il y aura une machine virtuelle dédiée à l'installation, une machine virtuelle pour le monitoring, une machine virtuelle pour Puppet, sans doute une autre pour effectuer de l'archivage de données. Donc, alors tout ce qui est sauvegarde, ce ne sera pas sur ce serveur-là, puisque mon serveur sauvegarde est à distance, est séparé et à part. Donc on ne verra pas le serveur de sauvegarde dans ces vidéos. Donc je vais remontrer l'écran là. Qui est là. Donc voilà, c'est le serveur que j'ai commandé donc, il y a quelques jours. Donc c'est un serveur. Voilà les caractéristiques. 64 Go de RAM, de disque en RAID logiciel, donc type NVMe. Avec voilà tout ce qu'il faut. Donc là actuellement j'ai effectué un test d'installation de VMware parce que je voulais vérifier quelque chose. Donc avant de faire une installation plus définitive de Proxmox, on a vu où était situé donc le serveur en salle machine. Voilà, ça permet de voir sur les baies quand. Quand il y a un problème, on peut. Voilà. D'ailleurs, je te conseille de suivre de temps en temps les travaux OVH, savoir quand il y a des interventions qui sont prévues, etc. Donc, en cas de problème, c'est bien d'aller voir et de se renseigner pourquoi ça ne marche pas. Et avant d'intervenir sur le serveur ici, donc, voilà, on désactive les interventions d'OVH, puisque ça va créer des alertes. Mais alors moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on fait une installation, en fait, ça désactive automatiquement le monitoring. Alors, ça l'affiche pas, mais ça le désactive et ça le réactive une fois que l'installation est terminée. Donc, je préfère laisser comme ça en jaune pour l'instant. De toute façon, je remettrai en intervention proactive juste après. Et donc, on va installer. Alors, avant d'intervenir sur un serveur dédié, c'est bien de vérifier qu'on est sur le bon serveur. Parce que quand on a plusieurs serveurs, on peut vite se tromper. Et donc, on vérifie qu'on est bien sur le bon et qu'on va faire l'intervention sur le bon. Parce que je suis sûr qu'il y a des gens à qui ça arrive et ils s'aperçoivent qu'ils ont écrasé le mauvais serveur. Donc, c'est parti. Alors, si l'installation est un petit peu longue. Alors. Ici, alors j'ai pris des notes parce que j'ai déjà fait le test avant. Donc ici, on va utiliser un template OVH qui est, enfin, voilà, un gabarit OVH qui est déjà fourni. On peut aussi installer son propre système en passant par installer son propre gabarit. Donc moi, je vais utiliser ça. Là, on choisit le virtualisation, on clique sur Linux et je vais prendre Proxmox version 8. Donc là, je vais laisser les partitions proposées par défaut, mais on peut changer la. Moi, je propose de laisser telle quelle. Il n'y a pas de raison de changer. Là, il me dit ce qu'il va faire. Donc moi j'aurais bien aimé savoir si c'est vrai qu'il propose EXT4. Bon, pourquoi pas. Mais maintenant je pense qu'il y a des. Sur mon poste de travail, là par exemple, j'utilise en système du fichier XFS.
qui alors donc il y en a deux qui se font un peu concurrence, c'est XFS et BTRFS. Le problème, c'est que moi j'ai comme l'impression que BTRFS est moins bon que XFS. Enfin, l'impression que j'ai après et que disons est moins populaire. Je sais pas s'il est moins bon, mais moins populaire. Et souvent XFS est souvent réclamé selon ce qu'on fait. Bon. Ici, bon, on n'a pas de raison de changer, mais on va laisser comme ça. Si l'ont préparé comme ça, c'est que bon, pour l'instant, c'est la norme. Et a priori, ça pose pas de problème particulier. Alors, je conseille. Alors, moi, j'avais la première installation de test, je n'avais pas fait comme ça. Donc, ici, je conseille de mettre le nom directement du serveur, le nom court. On pourra mettre le nom complet après, c'est pas très grave. Mais il faut mettre le nom court parce qu'il va pré-créer certains répertoires avec le nom. On peut le changer après, mais si on le change après, il faut le changer tout de suite après l'installation. Et voilà. Donc ici, on va insérer sa clé publique, enfin ma clé, la mienne, hein. Donc là, je vais la récupérer. Sur la machine, voilà. Hop. Donc ça, je pourrais me connecter ensuite. Bon, il y a pas grand-chose d'autre à faire. Il va me créer un raid logiciel. Voilà, j'ai deux disques, hein, qui seront en miroir. Et donc, c'est parti, valider. Voilà, donc l'installation démarre, ça dure un certain temps, quelques minutes, voire une quinzaine de minutes. Donc, une fois que l'installation sera faite, alors là, il y a quelque chose que j'ai déjà fait, donc j'ai pris dans mes notes. Donc, il faut donner un nom au serveur. Moi, le serveur, je l'ai appelé. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai besoin de voir ça. Le nom du serveur. Donc, moi, je le nomme comme ça, en fait. Le nom court. Et donc, moi, le nom complet, il sera comme ça. Et ce qu'il faut faire, c'est aller enregistrer dans les DNS de son nom de domaine le nom du serveur. Alors, il faut un nom de domaine technique, on va dire un nom de domaine qui ne sert que pour les serveurs, qui ne sert pas pour autre chose. Donc je te conseille d'avoir la même chose, un nom de domaine technique ou qui serait éventuellement un sous-domaine de ton nom de domaine habituel. Mais il t'en faut un parce qu'après, à un moment donné, on va générer un certificat Let's Encrypt et il faut de toute façon un nom de domaine. Donc je pense que c'est un préalable à ça. Une fois que le nom de domaine est configuré avec le nom du serveur, on va dans les adresses IP, reliées au serveur, on va configurer le reverse. Donc ici, on est dans la gestion des adresses IP du serveur et on a une colonne ici qui s'appelle reverse DNS. On met le nom qu'on a choisi dans le DNS. Donc, alors, il faut faire ça en deuxième. C'est-à-dire qu'il faut d'abord configurer le nom DNS, le nom, et une fois que c'est fait, on met le nom ici. Parce que sinon, ça ne marchera pas si on fait dans l'autre sens. L'adresse IPv6 principale du serveur. Alors, par défaut, il n'y aura rien ici. Il faut cliquer sur vous pouvez sélectionner une IPv6 et de mettre l'adresse IPv6 ici, qui est avec un 0 à la fin. Qui sera l'adresse IP principale du serveur. Donc avec le 0, ça fonctionne. Il n'y a pas de. Alors c'est sûr que la notation est un peu bizarre, mais voilà. C'est comme s'il y avait des 0. Quand il n'y a rien ici à la fin, c'est comme s'il y avait des 0. Donc une fois que la préinstallation sera faite, les deux IP là vont répondre, parce que je crois que l'IPv6 est mise par défaut à l'installation. Voilà. Une fois qu'on aura fait ça, on ira configurer. Alors ça, j'ai déjà fait par contre. Le
Le Firewall Edge. Alors, c'est quoi le Firewall Edge? Le Edge Firewall. C'est un firewall en bordure de réseau d'OVH. Donc, c'est pas le firewall n'a pas pour but de protéger le serveur vraiment. C'est des règles qui s'appliquent en bordure du réseau d'OVH. Donc, alors, attention, je crois qu'il y a des gens qui s'en servent et pensent que ça protège le serveur de tout le monde. En fait, non. Si le firewall Edge est configuré, et si quelqu'un a un serveur également chez OVH, il est pas soumis au firewall. Donc, c'est quelque chose qui vient en plus renforcer pour éviter par défaut qu'il y ait trop de règles ouvertes. Ça vient en support de l'antidote d'OVH. Donc, c'est bien de le mettre. Alors, moi, je l'ai mis. Et en plus, il fonctionne qu'en IPv4. Donc, ça sert à rien de le chercher sur IPv6. Ça n'existe pas. Donc en fait, on clique ici, là, en bout de ligne, on clique sur créer le Edge. Alors, il est déjà créé là. On clique sur le créer le Edge Network Firewall. Et une fois que c'est fait, on le configure. Donc là, il est configuré. Donc OVH, je conseille de mettre trois règles par défaut. Donc, par défaut, on refuse l'IPv4. On autorise le TCP pour les connexions établies. Et on autorise les requêtes DNS. Donc ça, c'est parce que en fait, j'ai mis ça, c'est parce que j'ai pas besoin que l'adresse IP principale, IPv4 principale de Proxmox soit accessible sur Internet, parce que ça nous servira à pas grand-chose. Donc on verra ce qu'il y a besoin d'accéder, s'il y a besoin d'ouvrir quelque chose en plus. Bon, je verrai. Pour l'instant, j'ai mis ça comme ça. J'ai mis ça comme ça, sachant que quand j'ai fait les tests de création de certificat Let's Encrypt, il n'a pas été bloqué parce que je pense qu'il est passé sur IPv6. Parce que là, vu que j'ai bloqué IPv4 et que le firewall est actif, voilà, il est quand même passé. Donc voilà, c'est juste quelque chose qui vient en plus, donc faut pas compter là-dessus. Voilà. Faut pas oublier qu'il soit là, il faut le mettre à jour s'il y a besoin, mais voilà, j'ai mis ce que conseille OVH, j'ai mis ça là. Donc l'installation continue. Et après, le DNS a été fait, le Edge Firewall a été fait. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un routage à l'interface Proxmox, enfin à l'adresse IP du serveur, j'ai mis un routage de mon côté pour que ça passe par mon VPN. Donc ça, je vais pas le montrer. Il faut un VPN. On n'ouvre pas l'adresse IP sur Internet. Voilà, donc il faut un VPN avec une IP fixe. Donc le VPN, moi, je l'ai créé une instance Public Cloud. Je le gère avec pfSense, donc qui fonctionne sur le système FreeBSD. Donc j'ai configuré un firewall et un VPN dessus. Et là actuellement je suis connecté en permanence sur ce VPN. Et quand je vais me connecter au Proxmox, ça va passer par le VPN. Donc quand je vais configurer après le firewall de Proxmox, je vais autoriser le VPN à y accéder. Et toute autre connexion sera interdite. Ça, c'est juste pour l'interface Proxmox. Ça bloquera pas les accès aux machines virtuelles par la suite qu'on pourra gérer différemment au niveau du firewall. Donc l'installation se termine. Là, il est en train de... Ben, il est en train de, voilà, de redémarrer. Je
Je pourrais même faire un ping. Ah voilà, le serveur ping. Donc ça va pas tarder, je pense que l'hôte brave, hop, voilà. Dans un instant, il va recharger la page et me dire que c'est fini. Enfin, il va voilà. Le temps que les services démarrent. Ça y est. Alors, donc, c'est démarré, enfin c'est installé, donc il va pas rafraîchir le truc là. Voilà. Donc de ce côté-là, c'est installé. Suite à l'installation, il m'envoie un email avec où je peux récupérer le mot de passe. Donc là, je vais le faire là tout de suite, parce que j'ai reçu l'email. Copier, je le mets dans mon gestionnaire d'un mot de passe. Hop. Alors. Voilà, c'est fait. Donc, alors, je vais pouvoir accéder au serveur. Alors, Proxmox, il fonctionne sur le port 8006. Donc là, il me dit que pour l'instant le certificat il est auto-signé. Donc on va se connecter avec le mot de passe. Non, c'est pas celui-là. On choisit PAM ici. On laisse comme ça là. Voilà. On est connecté au serveur. Ensuite, alors je reprends mon mémo. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller finir de configurer proprement le nom du serveur. Je vais le faire tout de suite. Bon, j'avais pas mis dans cet ordre-là, mais je vais faire ça d'abord. Alors, je me connecte au serveur. Alors, je vais leur générer sa clé. Enfin, le cache de la clé. Voilà. On lui met son nom en entier, correct. Ensuite, je vais corriger dans tchost. Alors, je ne sais plus si on met le nom court. Ok, il n'y a pas de différence. Je ne sais plus si c'est le court d'abord ou le long. Je pense que c'est pareil. Voilà, ça c'est fait. Moi j'ai mis reboot, normalement il n'y a pas besoin. Parce que le nom court était déjà mis. On va redémarrer après. Donc on va repasser sur l'interface. Alors. Là, en fait, là je suis déjà en routage via mon VPN. Donc je rappelle qu'il faut faire ça absolument tout de suite avant de mettre le firewall.
En train de tester quelque chose. Ouais, je vais montrer ça. Alors, on passe en console. Donc là, en fait, depuis ton poste de travail sous Linux, tu tapes traceroute le nom du serveur pour vérifier que tu passes bien par le VPN. Donc moi, le VPN, voilà, l'adresse IP du VPN. Ensuite, voilà, je sors via l'IP public et je suis sur le serveur. Donc c'est très bien. On va faire ça comme ça. Je vais revenir là. Alors, donc mon routage, c'est IPv4 et IPv6. J'ai les deux là. Voilà, je suis sur les deux via le VPN. Et bien sûr, si t'as pas IPv6, c'est pas embêtant, hein. Il y a juste IPv4, mais l'essentiel, c'est qu'il ne faut pas se retrouver avec IPv4 via le VPN et IPv6 en dehors, sinon ça va. Par moment, ça ne marchera pas et on se demandera pourquoi. Donc, on va. Donc voilà, Proxmox. Donc, il y a des choses qui se configurent au niveau du data center, ce qu'ils appellent là le data center. Et au niveau du nœud, alors là le mémo c'est dans le cadre où il n'y a qu'un seul serveur. Je ne fais pas de choses compliquées. L'idée c'est, voilà, c'est dans le cadre, on n'a pas besoin de faire de redondance spéciale. On a juste un serveur dans le. C'est pas un cluster du coup, mais voilà. Un Proxmox avec qu'un seul serveur. Donc on va aller dans le firewall ici. Va configurer tout de suite. Alors. On va faire plusieurs choses. On va configurer. Je sais pas comment ils appellent ça. Ils appellent ça des IP7. En fait, au lieu de mettre. C'est comme des groupes, en fait. Comme des groupes de. Des groupes d'adresses. Donc, on va en créer un. À force, à la fin, tu verras mieux où ça sert. Donc, je vais créer un groupe qui va s'appeler OVH Monitoring. Monitoring. Alors, ici, il faut pas mettre d'espace. Voilà, on ne peut pas mettre d'espace. Donc, OVH Monitoring. Et dans ce groupe qui sera. Voilà. Donc, je vais mettre l'ensemble des règles qui sont. L'ensemble des adresses IP. Qui sont d'OVH qui ont besoin de faire du monitoring sur le serveur. Faut que, parce que ces adresses-là devront avoir des accès particuliers pour faire le monitoring. Donc là, je mets le monitoring. Alors, bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de toutes les adresses IP, mais bon, moi je les mets toutes ensemble. Le serveur il est à Roubaix, donc je pense que monitoring Roubaix suffit, mais comme je n'en suis pas très sûr, des fois qu'il y a des monitoring croisés, donc dans le doute, je vais tous les mettre. Donc là, on rajoute ces. Ensuite, il y a le monitoring de BHS. Avec sa plage d'IP. Alors évidemment, s'il y a du monitoring IPv4, il n'y a pas de monitoring sur le PV6. Alors je ne mets pas forcément dans l'ordre. OVH ping. Là, en fait, je mets toutes les adresses IP qui ont besoin de faire un ping. Donc, qui sont concerné par le besoin du ping. Alors là, cette adresse-là, IP-là que je mets là, elle est spéciale. C'est chacun mis une différence. Il faut prendre l'adresse IP du serveur
Sauf qu'à la fin, on met 250. Ensuite, Roubaix. C'est dommage qu'il n'y ait pas un système pour mettre tout ça d'un coup. Voilà, bon, il faut voir le petit mémo. Bon. Parce que je fais tout par l'interface, là, pour bien montrer. Hop. Strasbourg. Et Gravelines. Donc, je crée un autre ensemble d'IP. Là, ici, c'est pour. Il y a besoin de tous les accès. Tous les accès, donc. Ici, c'est moi. Alors, il y a OVH. Là, c'est pareil, on prend l'adresse IP du serveur, on enlève la fin et on met 251. Ensuite, alors, ici, je vais mettre l'adresse IP de mon VPN. J'ai fait exprès d'enlever l'écran. Je ne vais pas forcément mettre l'adresse IP du VPN. Et je mets l'appareil pour l'IPv6. Donc voilà, tu t'as qu'à imaginer dans ton esprit ce que je suis en train de mettre. Pareil pour l'IPv6. Les IPsets, c'est fait. Là, on va changer d'écran. Je vais mettre. On revient ici. Donc là, ici, je clique. On était là sur IPsets. J'ai cliqué sur Firewall. Et là, on va mettre les des règles. In. Donc, on accepte en entrée. Donc, protocole ICMP. Donc, c'est 0 et 8. On met protocole ICMP, ICMP type ICO reply, IP7 OVH monitoring. Voilà, donc IP7 ça sert à éviter de mettre. On n'a pas besoin de mettre toutes les IP une par une pour l'accès. On met ce groupe-là d'IP. Alors on active. Alors ça c'est pas activé par défaut, donc faut pas oublier de cocher ça, sinon après ça marchera pas. Add. On rajoute une autre. ICMP. Et cette fois-ci, numéro 8. Donc on met. Ensuite, là, pour celui-là, on met tout. Enfin, du coup, voilà, on accepte tout venant des IP de gestion, donc les miennes, et le monitoring OVH, monitoring de service. Donc là, il faut les accès. Et on va mettre une règle en plus. Alors, deux en plus. Donc, alors. Il y en a une qu'on met là. On va accepter le HTTP.
Parce que en fait, il y en a besoin pour le certificat. Alors, les certificats SSL, on peut les faire soit par HTTP pour la validation, Let's Encrypt, soit par DNS. Moi, je le fais comme ça parce que mon fournisseur de DNS a une API qui est très limitée au niveau gestion des droits. Et comme j'ai pas envie de mettre un token qui a accès à tout, je préfère encore le mettre ici. Donc là, l'autre j'ai activé. Donc là, on connaît pas trop les sources, donc du coup, on peut pas trop filtrer. Donc c'est pas pratique, mais. Donc là, il y a les quatre règles principales qu'il faut. Ici, donc la politique par défaut, c'est refusé. Donc ça veut dire que tout ce qui n'est pas accepté juste à l'instant va être refusé. Une fois qu'on aura activé le firewall. Donc là maintenant, on active le firewall. Voilà, donc normalement, maintenant, on ne peut pas accéder à l'interface Proxmox en dehors de mon VPN et du monitoring de l'adresse IP du monitoring OVH. Voilà, donc ça c'est fait. Alors, ACME pour le certificat Let's Encrypt. Donc là, on crée un compte. On est obligé de faire ça d'abord. Créer un compte. On met un email. Alors là, je vais mettre donc, la même chose que je mets sur les autres. Attends. Donc là, on met un email. Je clique sur Acceptos et je clique sur Register. Donc le compte est créé. Donc là, ici, on met uniquement s'il y a besoin de faire une vérification par DNS. Donc peut-être que si tu utilises le DNS OVH, ça peut t'intéresser. Moi, j'utilise pas le DNS OVH. Mais du coup, niveau API, c'est un peu limité. Donc ensuite, on va rajouter, on va créer le nom. Alors le nom, c'est au niveau. Au niveau du serveur. Ici, certificate. Donc le nom complet. HTTP. Create. Ah oui. Il faut cliquer là ensuite. Voilà, il dit que c'est bon. Il a redémarré le serveur web Proxmox. Ah, normalement c'est bon, c'est juste que mon navigateur il rafraîchit pas le il rafraîchit pas le, la vérification, mais normalement c'est bon. Non, je sais pas si
Parce que j'avais déjà essayé, il me semble qu'il ne rafraîchit pas tout de suite. Je vais peut-être. Alors je vais essayer sur un autre onglet. Ouais, donc c'est bon. Je suis sur un autre onglet et ça fonctionne. Donc là, ça c'est bon. Ensuite, une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va configurer. Donc ça, j'ai pas eu le temps de d'aller jusqu'au bout dans mes tests, mais je vais mettre tout de suite. Donc on va remonter ici. Data Center. Donc on va retourner là dans Data Center. Options. On va activer ce qu'il faut pour la double authentification. On clique sur ça, ça. Ah oui. Enfin, je monte après. Donc, ce que je voudrais faire, c'est avoir la double authentification avec une clé YubiKey. Et ça, pour que ça fonctionne, il faut absolument le certificat SSL. Sinon, ça marchera pas. Donc ça, c'est activé. Ensuite, je vais aller créer un utilisateur. Alors, utilisateur démo, c'est ça que j'avais fait avant. Pas d'utilisateur unique, ça. On veut juste un utilisateur d'interface web. Donc là, je vais lui mettre un mot de passe. Si je retrouve ici, démo, ouais, il est là. Alors. Expire jamais, email. Bon, il n'y a pas besoin. Add. Voilà, j'ai un utilisateur qui est créé. Voilà, on va faire ça. Je vais me connecter en démo. Voilà, là je suis connecté en tant qu'utilisateur. Donc ce qu'on peut faire en premier, c'est je voudrais utiliser la double authentification. Donc je vais créer des clés de secours. Voilà, des clés à usage unique, des codes à usage unique. C'est pas le bon nom. Alors. Donc là, je crée les codes. Donc il m'affiche une dizaine de codes que je recopie et que je mets dans mon gestionnaire de mots de passe. Donc ça c'est fait. Voilà. Alors est-ce que ça on y arriverait? YubiKey. Alors c'est quoi une YubiKey? On va l'appeler comme ça. J'en doutais qu'elle allait faire ça. Alors, YubiKey. J'ai l'impression que c'est bon. J'ai l'impression que ça marchait. Alors, une YubiKey.
Yubico. Donc ce sont des dispositifs matériels. Donc j'en ai un ici. Et la caméra est où? Donc c'est ça en fait. Ah oui, mais elle est verte, donc du coup, avec le fond vert, on ne voit pas. C'est ce petit machin là, ça se branche sur une... Alors moi c'est une USB normale, enfin normale ce qu'il y avait avant. Donc je la branche sur un USB. Comme il fait le monsieur là, il branche sur le côté, donc je fais pareil. Et ça me permet d'avoir une double authentification. Alors là j'ai mis les clés, les codes de secours et le mécanisme. Alors, je sais pas si ça active de force. Bon, le mieux c'est qu'on essaye. Logout. J'ai vu un menu TFA là, je pense que c'est. Voilà, il me demande d'insérer la clé et d'appuyer avec mon petit doigt sur le dispositif. Voilà, donc ça fonctionne. Alors, moi j'ai un autre pop-up en plus, c'est parce que je voulais essayer un autre système. Enfin, donc faut pas prendre en compte ce qu'il y avait à droite. Voilà, normalement on a juste un pop-up, on met le doigt sur le capteur pour que ça communique et que ça se connecte. Donc si je perds le dispositif, j'ai des codes de secours qui sont utilisables. Donc voilà, donc j'ai créé un utilisateur, donc je pense qu'on va s'arrêter pour la vidéo de cette fois-ci. J'ai pas fait le menu de la prochaine fois. La prochaine fois, je pense qu'on verra comment permettre à l'utilisateur là en question de créer des machines virtuelles et tout ce qu'il a besoin pour travailler et créer des machines virtuelles et installer, etc. Et puis on verra si on a le temps d'installer quelque chose. Donc, alors il est où mon écran de fin là? Donc si ça t'intéresse pour me suivre, mais uniquement si ça t'intéresse, je n'ai pas envie d'avoir des touristes. Donc sur mon site internet, il y a un formulaire, tu mets ton email, tu cliques sur le thème qui t'intéresse, il y a trois thèmes. Donc le thème ici, c'est administration système, infogérance accompagnée ou pas, en fonction de ce que tu as besoin. Donc je fais pas de, a priori jusque là, il n'y a pas de formation. C'est pas... effectivement, on m'a demandé, mais il n'y a pas assez de demandes, donc du coup, pour l'instant, je ne fais pas. Évidemment, s'il y a beaucoup de demandes, j'y réfléchirai. Mais je fais surtout de l'infogérance accompagnée, c'est-à-dire que voilà, c'est plutôt pour des personnes qui sont déjà un peu techniques, des développeurs, etc., qui ont besoin d'avoir une petite infrastructure en ligne, pas forcément une infrastructure gigantesque, mais juste de quoi faire en sorte que tout ça... ça fonctionne. C'est pour ça que moi j'utilise Proxmox pour des machines virtuelles qui n'ont pas besoin d'avoir une haute. Alors, de la façon dont moi j'utilise, c'est pas pour faire une haute disponibilité. J'ai mes serveurs web normaux qui sont sur le public cloud, qui eux ont du coup une redondance au niveau du matériel, mais c'est géré par OVH. Là, moi je vais me servir de ça, c'est pour fournir des mécanismes de configuration, monitoring. Et faire du test. Voilà. Donc je t'invite à me suivre. J'envoie un email de temps en temps. Et puis voilà, je suis présent. Donc je fais de temps en temps, je fais des vidéos sur YouTube, LinkedIn et compagnie. Et je te dis à très bientôt pour la troisième partie de ces séries de vidéos. À très bientôt.